J'ai choisi de partir en France pour faire des études, augmenter mes connaissances et mes compétences. Et si vous avez plus d'informations? J'ai étudié jusqu'au baccalauréat et après un bref passage à l'université de Dakar, j'ai réussi au concours d'entrée à l'école de formation des instituteurs. En France, avant même d'aller à l'étranger, j'avais en vue le retour au bercail. C'est ce qui a façonné tout mon parcours en Europe. C'était très important dans la mesure où je pense que je serai plus utile à mon pays. J'ai eu l'opportunité d'entendre parler le directeur général de l'ADPME a dénoncé le fait qu'au Sénégal, on continuait à importer certains produits de consommation de masse, y compris la craie. J'ai été informé par la préfecture de l'existence de l'OFI. On a entrepris les démarches de mon dossier qu'on a finalisé à mon arrivée au Sénégal. Au moment où j'ai contacté l'OFI, j'avais une idée de projet. Je me suis approprié l'idée de fabriquer de la craie au Sénégal en vue de substituer aux importations, mais aussi de contribuer au développement économique de mon pays. J'ai créé la première unité de fabrication de craie au Sénégal. Je manage une équipe. Je gère le personnel, la production. Pour développer un pays, il faut qu'on soit en mesure de produire ce que l'on consomme. Pour moi, le Sénégal représente tout, la patrie. C'est très important pour moi que mes enfants grandissent au Sénégal. C'est un des facteurs de mon choix de rentrer maintenant. Sans l'OFI, il aurait été très difficile de créer Sengrain. Mais leur intervention ne s'arrête pas à l'apport financier, mais aussi à l'accompagnement en création d'entreprise, en études de projet, en suivi. Grâce à un expert consultant que l'OFI sélectionne, qui vous suit pendant un an. Je suis hyper heureux au Sénégal et je n'ai jamais regretté mon choix de quitter la France pour rentrer au Sénégal. Je conseille à tous ceux qui sont en France étudiants, jeunes professionnels ou étrangers en situation irrégulière d'y croire, de savoir qu'ils peuvent réussir en étant accompagnés par le dispositif de l'OFI.